Bonjour à vous tous. Donc aujourd'hui, on va changer un écran de Samsung Galaxy Grand 2. Donc c'est le G7105. Donc comme vous pouvez voir, l'état de l'écran, ben, il est mort. Hein. Et donc je vais vous montrer ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc tout simplement, déjà pour commencer, il faut éteindre votre téléphone. Ensuite, vous démontez la coque arrière. Ensuite, il vous faudra des tournevis assez fins. Hein. Le bijoutier. Donc on va, pour commencer, on va retirer donc la batterie. Ensuite, je vais retirer ma carte mémoire, Dedans, il y a ma carte SIM à récupérer. Voilà. Et voilà, donc ici on va enlever toutes les vis. Donc là c'est du cruciforme. Donc là il n'y a rien d'exceptionnel. On va les perdre, voilà. J'essaie de mettre de la lumière en même temps. Grand chose. Voilà. Donc, sans exception, toutes les enlever. Deux. Tout ce qu'il y a autour, il faut les enlever, tout simplement. Ensuite, là, j'ai fait tout le tour. Tac, 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 tac. Donc, ici, ici vous ne pourrez pas le retirer. Tout ce qui est là en plastique, vous ne pourrez pas y arriver. Donc, il vous faudra un sèche-cheveux et chauffer l'écran. Donc l'écran il va devenir chaud. Bon là je vais pas avoir de mal parce que je viens de le faire juste avant, donc je me suis entraîné. Sauf que j'ai fait une grosse bêtise. Vous rentrez, moi j'ai pris un petit couteau très très fin que je rentre sur le côté. Voilà, comme ça. Ensuite je vais prendre une... Moi j'ai pris une carte de fidélité, hein, tout simplement. Et vous décollez l'écran. Tac. Après vous faites pareil, la même opération de l'autre côté. Voilà. Là, ça vient parce que je l'ai fait juste avant, forcément. Donc là vous ne touchez pas, vous laissez tout de cette manière là. Ensuite ici vous allez glisser, moi je vais faire ça avec un tout petit tournevis plat.
Bah, logiquement, c'est ça. Bah, je crois que c'est avec un tournevis plat, j'ai fait ça tout à l'heure. Ah, ouais, bon, c'est la pointe du couteau légèrement. Parce que c'est légèrement clipsé. Enfin, c'est clipsé, quoi. Voilà. Donc là, ça fait que je me retrouve. Là, je peux appuyer, voilà. Ensuite, j'arrive à retirer cette coque en plastique. Voilà. Alors, la connerie qu'il ne faut surtout pas faire, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai fait donc mon écran, donc le haut il est là, le bas là. La bêtise que j'ai faite, c'est que j'ai fait comme ça. Je l'ai ouvert comme un livre. Sauf que le problème, c'est que derrière, ici, il y a un circuit imprimé, je n'ai pas vu. J'ai carrément coupé le circuit. Donc avant de l'ouvrir, vous faites levier là, tac, vous enlevez la connectique de façon à pouvoir retirer tout simplement cette partie là. Ensuite, pour mon écran, j'ai l'écran tactile qui est derrière et là ma vitre. Donc ici, cette partie là, je vais vous montrer, donc j'ai acheté un carreau. Bon, une vitre sur internet, ça m'a coûté 35 euros. Donc, que voici, donc de la marque Samsung. Derrière, il y a un film autocollant. Ici, on peut voir qu'il y a un circuit imprimé de connectique et ici une barrette. Donc, bien sûr, pour pouvoir décoller, si on fait ça, on va tout arracher. Donc, on voit qu'ici, il y a deux petits loquets. Il suffit simplement de. Je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer d'éclairer. De faire avec le couteau, le lever. Voilà, ça se lève légèrement, voilà, c'est, il est levé. Et ensuite, vous le tirez légèrement, il va venir, voilà. Donc ici, il faut le décoller, bien sûr. Et là, c'est pareil. Voilà, il suffit de le lever. Voilà, je vais prendre les choses qu'un couteau, sinon je vais le couper. Voilà, donc là, le connectique, elle est enlevée. C'est enlevé. Ici, moi j'ai découpé ici avec un. J'ai passé un couteau. Il faut juste décoller, hein, parce que j'ai juste collé, voilà. Je ne sais pas si vous entendez. Voilà. Alors, je reviens ici, tout simplement, voilà. Et je vais passer ma pièce en plastique. Ma carte de fidélité, tout simplement. Voilà. Et après ça va venir, voilà, ça se décolle simplement, voilà. Et puis bah, après il n'y a plus qu'à écarter, bon, moi j'ai ici hein, l'écran, est-ce qu'il est juste collé, donc surtout ne pas insérer une pièce métallique, parce que là vous allez rayer votre écran LCD, et donc en tirant dessus. Je ne sais pas si vous voyez, attends, je vais essayer de le faire sans casser l'écran. Parce que c'est juste collé. Hein. Voilà. Donc là, je me retrouve avec mon écran, voilà. Et j'ai séparé ma vitre. Donc, surtout ne pas mettre ses doigts dessus, parce que ça va faire des empreintes de partout. Et surtout, ne rien mettre, parce que le problème, c'est que quand vous allez ici coller votre nouvelle vitre, ne pas mettre les doigts dessus, sinon vous mettre n'importe quoi qui pourrait s'insérer entre la vitre et l'écran, parce qu'après ça se verra continuellement. Quoi. Donc voilà. Quoi. Ensuite, pour vérifier. Ensuite, pour vérifier le. Ce que vous avez fait que ça fonctionne bien. Il suffit de refaire le montage à l'envers. Et avant de tout remonter, vous allez rebrancher donc votre. Vous allez remettre cette partie-là au niveau de l'écran. Hein. Donc comme ça. Comme ça, juste coller. Hop. Et ensuite, vous allez bien sûr. Attends, je cherche le truc. Branchez votre connexion là. Donc
Donc il suffit juste d'appuyer dessus. Hein. Il faut arriver à trouver le cran. Voilà, là j'ai trouvé. Vous faites ça, vous branchez votre batterie. Bon, moi ça marche pas parce qu'il est coupé. Et puis vous démarrez votre Samsung et là normalement l'écran devrait marcher. Et après, bah, vous, pour pas tout arracher, vous redéfaites votre connexion. Voilà, comme ça. Et vous remontez votre appareil à l'inverse du démontage. Voilà pour ce tuto.